Salut à tous, la coach de toute nouvelle vidéo, donc pour un top 3 donc des meilleures techniques achat-vente et investissement. Donc je vais vous présenter la première, donc c'est avec Julian Draxler qui va du côté donc du Paris Saint-Germain et qui est intéressant pour deux raisons. D'un, parce qu'il sera plus disponible en version, j'allais dire Schalke, en version Wolfsburg et donc Bundesliga, donc puisqu'il va au PSG en Ligue 1. Donc sa carte va prendre, comment dire, de la valeur. Et sachant qu'aussi, il y a beaucoup d'erreurs de prix sur Draxler. Voilà, à 4002. J'en ai raté quand même plusieurs à 2003, 2005. J'en ai raté aussi à 1600. Ça tombe quand même assez régulièrement. Donc voilà, j'ai mis en troisième position parce que c'est pas non plus énormissime. On va tout de suite maintenant passer au numéro 2. Donc le numéro 2, je l'avais fait en vidéo, donc tout le monde le connaît, c'est Oscar. Voilà. Qui doit être vraiment pas très cher. Voilà, écoute, 1400, 1500. Voilà, donc ce que je conseille, donc vous allez jusqu'à la page bien sûr de l'heure tout simplement. Ce que je vous conseille, c'est d'investir vraiment en masse. Donc là, alors je vous fais la vidéo, il est 2h30. Donc c'est vraiment pas très intéressant à cette heure-ci, plus à partir de 6h le soir, comme vraiment toute technique de Tech 59, acheté puisqu'il a été transféré en Chine, donc il sera plus disponible du tout dans les packs. Donc pour ceux qui vont faire donc une première ligue, Oscar en MOC, d'un, bon bah, il était pas cher, bon bah, là ça va changer. Deux, bah, il est bon, il est cheaté. Du coup, voilà, il est brésilien, Chelsea, il a quand même 83 de général. Voilà quoi. Du coup, son prix va augmenter quand il sera plus dans les packs à partir du mois de janvier, mi-janvier, fin janvier, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va augmenter. Ensuite, en première position, bah, j'ai mis tout simplement une technique qui marche toujours. Voilà. C'est simple. La tech chasseur, toujours, toujours, toujours. Donc là, 2200. Et vous spammez, spammez. Voilà. Du Musonda 2000 crédits. Que j'ai raté. Je pouvais revendre presque 3000. Donc voilà, on voit que ça, quand même, ça tombe. Ça tombe. Et du Musonda. Tout à l'heure, j'ai raté. Voilà, vous avez vu du Kingsley Coman à 1600. Il se revend 3200. C'est quand même une tech qui marche du tonnerre. Si vous avez vraiment, vous êtes très, 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 très rapide. Pour vous faire vraiment, là c'est facile quoi, toutes les 5 minutes vous faites allez 5-6 000 de bénéfices à l'aise franchement. Après donc voilà pour la première position. Donc on va spammer un tout petit peu cette pour cette technique. Après vous pouvez être à 2002, mais si vous voyez qu'à 2002 ça va pas, ça bug, vous mettez à 2300. Voilà, 2300, on peut encore monter à 2400, puisqu'il n'y a pas des joueurs qui sont au-dessus d'une heure, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'il va avoir? Voilà, donc là, c'est pas la peine. Pour descendre à 2300, et vous spammez à 2003. Jusqu'à qu'il y ait un joueur hors rare qui tombe, à part tout ce qui est Gomez, tout ce qui est... J'ai oublié son nom. Tout ce qui est Bonnie. Tout ce qui est Slimani aussi. Sinon après tout le reste est intéressant. Il y a aussi Icardi qui est pas intéressant. Et je crois que c'est tout avec ces trois joueurs là. Sinon les autres vous pouvez tous les acheter. Il n'y a vraiment pas de souci. Peut-être que sur certains ça fera que 100, 200 de bénéf. Mais il y a certaines cartes. Vous avez vu dans la vidéo que j'ai fait exprès sur cette technique. Vous pouvez faire 4, 5 000 de bénéfices par carte. Je pense à Berardi qui est en version AVD par exemple. Pareil, donc si vous les chopez en semaine, ce que je vous conseille, c'est de le vendre à quand les gars font leur équipe pour fut champion, donc le jeu à partir du jeudi. Là, ça peut être très, très intéressant. Et acheter les joueurs le lundi, quand tout le monde vend son équipe. Donc là, on voit combien de... On aurait pu choper du Coréa à 1900 et se revendre à 2600. C'est dommage. Donc voilà, on va descendre à 2200. On voit que ça a bugué. Ça arrive souvent.
Donc pour cette technique-là, donc c'est vraiment 15 minutes où je spam, je fais un match, je spam 15 minutes, je fais un match, je spam 15 minutes. Comme ça, vous ne faites pas bannir, tout simplement. Du Olivier Giroud à 1100 crédits, c'est pareil. Donc vous voyez que c'est vraiment la technique d'acharnement qui marche. Faut juste être très rapide. Bon là, je suis en vidéo, donc je pense plus à autre chose. Je pense à ce que je vais dire, donc ça ralentit la chose. Donc moi, j'espère que ce petit top 3 vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça, ce genre de vidéo vous plaît. Si vous voulez que je monte à un top 5, à top 10, pourquoi pas. N'hésitez surtout pas à bombarder la barre de likes, ça fait extrêmement plaisir. Et les gars, on se dit ciao pour une nouvelle vidéo.